Eh bien, cher Denis Malanda, vous m'avez demandé de prendre la parole aujourd'hui et j'en suis très satisfait pour plusieurs raisons. Il s'agit tout d'abord de vous dire combien votre action en faveur de la culture en général et de la littérature en particulier satisfait une priorité. Défendre le livre, œuvrer en faveur des écrivains en les faisant connaître, instaurer un dialogue entre eux et les lecteurs, contribue à maintenir bien vivant le monde de l'écriture, qui est par excellence le vecteur de la pensée. Plus que jamais, la lecture doit être défendue face à la concurrence d'Internet et d'une multitude d'autres supports qui, lorsqu'ils sont mal utilisés, favorisent la paresse intellectuelle ou la passivité de l'esprit. D'où le grand intérêt de vos émissions qui contribuent à la vitalité de la culture et qui revêtent une dimension pédagogique importante, notamment auprès des jeunes. Votre travail est d'une certaine façon complémentaire à celui des professeurs de français. Chacun peut d'autre part apprécier la richesse de vos émissions grâce à la diversité des auteurs interviewés, essayistes, romanciers, poètes, auteurs de pièces de théâtre, et puis des éditeurs, bien sûr. Vous n'avez omis aucun domaine de la création littéraire et vous avez su, à chaque fois, nous faire entrer dans toute la profondeur d'une œuvre, notamment grâce à la pertinence des questions posées à l'auteur, mais aussi grâce à la lecture d'une page de son ouvrage. Autant d'émissions menées de main de maître, à la fois gratifiantes ces émissions pour les auteurs et instructives pour le public. Par ailleurs, l'association Ivresse Culture, dont vous êtes le président, est entrée, vous venez de le dire, en partenariat avec la Société des poètes français, qui ne peut que s'en féliciter, s'agissant notamment de sa délégation pour la Seine-et-Marne et pour le Val-de-Marne, qui est dirigée donc par Marguerite Chamon et par moi-même. Je voudrais dire simplement que Marguerite Chamon se donne vraiment depuis plus de 20 ans pour les poètes de la Seine-et-Marne. Je pense qu'elle mérite quelques petits applaudissements pour ça. Alors, il y a dans cette salle d'ailleurs un certain nombre de membres de la Société des poètes français, sans parler bien sûr de Sylvie Bonafi qui était l'invité d'aujourd'hui. Alors, votre association, Monsieur Malanda, puisse-t-elle continuer d'amplifier son rayonnement, se faire connaître toujours davantage parce qu'elle remplit, disais-je, une mission au service de la littérature dont l'importance est majeure. Vous contribuez manifestement à la vie intellectuelle de Melun. Vous apportez à cette ville une dynamique. Et je pense que les membres de la mairie chargés des affaires culturelles ne peuvent que se réjouir de vos émissions, car celles-ci participent amplement au rayonnement culturel de leur ville. Et nous vous en remercions tous.